بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous faisons une cause concernant wazou, comment nous faire wazou et ben quelque chose qui casse wazou. Et nous faisons une cause aussi concernant massa, le soucet, comme une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Aujourd'hui, nous pouvons causer une autre facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous qui appelle tayammum. Alors, tayammum, c'est quoi? Tout d'abord, nous devons comprendre que pour nous faire namaz, pour nous faire salat, bizayna taharat. Bizayna taharat. Si bizayna taharat, namaz pas compté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu salatan bi ghayri tahur. Allah peut accepter salat sans purification. Mais parfois arrivé, un djibon n'est pas capable de servir de l'eau pour faire roussal, pour faire oiseau. Soit à cause peina de l'eau, peina de l'eau, mais il besoin faire salat. Comment le faire? Ou bien il a de l'eau, il n'est pas capable de servir à cause des malades. Sur les coins brûlés. Ou bien un malade qui n'est pas capable de tous de l'eau, il ne fait que faire l'opération. Comment le faire dans ce lieu-là? Ou bien parfois il y a de l'eau, mais seulement il n'est pas capable de prendre de l'eau là. Par exemple, il est dans l'endroit. Quand il y a de l'eau dans un puits, Pena, ça veut dire un kivet, ou bien un CO pour être capable de descendre, Pena la côte, Pena non. Il trouve de l'eau en bas d'un puits là. C'est vrai, donc quand vous êtes sur les côtes d'un puits, comment les faire? Alors il y a une situation où un djibou n'est pas accès avec de l'eau, mais seulement les besoins faire namaz. Les besoins faire roussel, les besoins faire oiseau. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin donne une facilité, une alternative qui appelle tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Faire tayammum avec sa'id qui est propre. Faire tayammum avec sa'id qui est propre. Sa'id qui veut dire. Alors un djimoun, pour le comprendre ça, nous vous inquiétons dans le Coran, dans langage arabe qui veut dire sa'id. Sa'id veut dire tout bon qui chose qui d'origine la terre. Tout bon qui chose qui d'origine la terre. Alors qui chose qui d'origine la terre? La terre. Dissab. Rose. La poussière. Bonne quelque chose pareil, ça, d'origine la terre. Ça veut dire, dans la cour, il y a du sable. Il y a la terre. Il y a la poussière. Rose. Gravier. Bonne quelque chose pareil. Ciment. Un bloc. Alors tout ça là, sur l'origine, c'est rose, la terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin djanou, fatayammamu sa'idan tayyiba. Alors, rose, si il est propre, si du sable là propre. Ça veut dire si peine impureté de du sable là. Si la terre là propre. Si la poussière là est propre. Si sa rose là est propre. Alors, c'est évident pour faire tayammum. Voilà la bonne chose avec laquelle qui nous fait tayammum. La terre, la poussière, rose, du sable, gravier, bonne quelque chose pareil. Ne pas faire tayammum avec du bois. Ne pas faire tayammum avec une quelque chose plastique. Ne pas faire tayammum avec la toile. Sauf si on a la poussière l'eau là. Si l'eau est dans la case du bois, remplie la poussière. Oui, nous pouvons taper nous la main, nous pouvons servir la poussière là. Mais du bois en lui-même, un du bois qui propre, un plastique qui propre, une la toile qui propre. Bonne question comme ça parce qu'il n'est pas d'origine la terre. Alors comment nous faisons tayammum? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin explique ban sahaba comment fait tayammum. C'est un sahabi quand ce roussel s'est cassé. Alors qu'il est-il fait? Il est roulé dans la terre. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, il connaît que Allah subhanahu wa ta'ala fin dit quand peina de l'eau, alors fait tayammum, servi la terre par exemple. Alors qu'il finit, il finit rouler dans la terre pour être capable de faire ce salat fajr. Mais quand il finit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit enseigné, non, pas si besoin de faire tout cela. Inna ma yakfika, tu suffis pour toi, veut dire te faire comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné, il tape sur la main, l'eau la terre, il tape sur des plats la main, l'eau la terre. Ensuite, c'est la rose qui est là-dedans. Si tu t'appliques comme ça, une bonne grosse rose là, elle a les pastilles sur le visage. On s'est dit la main qui est dans la poussière là. Pastille au visage, un coup seulement. Complète, le visage complète.
Il est là, prend la main droite, la main gauche, passe l'eau, la main droite, et prend la main gauche, la main droite, passe l'eau, la main gauche. Tape l'eau au visage, tape l'eau la terre, passe l'eau au visage, ou prend la main gauche, ou passe l'eau, la main droite, ou prend la main droite, ou passe l'eau, la main gauche. Ça, c'est Teyamoum. Ça même tout. Teyamoum veut dire, tape la main, l'eau du sable, l'eau la terre, l'eau la poussière, l'eau rousse, qui dit propre, ou passe l'eau au visage, ou prend de la main, ou passe l'eau au visage complètement. Ensuite, ou prend la main gauche, ou passe l'eau au poignet là-haut. Ça veut dire au poignet sur l'extérieur. Ou passe là-haut. Et deuxième, pareil, ou prend la main droite, ou passe l'eau à l'extérieur, au poignet, la main gauche. Ça appelle ça Teyamoum. Mais seulement, nous devons faire l'intention. L'intention dans tout ibadat est important. Par exemple, si Mopena Delo, Mouna Roussel, Mopena Wazou. Mopena Wazou, moi. Ça veut dire que je fais Teyamoum. Ça veut dire que mon intention, ça veut dire mon intention, c'est Wazou. Ça veut dire que je fais Teyamoum, mon intention, c'est que je fais Wazou. Ça veut dire que je peux purifier moi, Wazou comme un alternatif Teyamoum. Ça veut dire si Pena Delo, je fais Wazou. Qui mon intention, c'est que je peux servir Teyamoum comme un alternatif. Parce que Pena Delo, pour me faire, je veux dire Wazou. Si je peine à Roussel, je besoin de faire Teyamoum. La même chose, c'est que je peux faire Teyamoum pour me faire Roussel, pour me faire Teyamoum comme un alternatif pour me remplacer Roussel parce qu'il peine à Delo. Ça, c'est l'intention. Ça veut dire, avant qu'il nous fasse Teyamoum, nous devons faire l'intention. Là, nous faisons Teyamoum, comment nous faisons expliquer. Ça, dans une situation, comment nous faisons expliquer, comme une facilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Ça veut dire, en fin de compte, vous trouvez que un djimoun n'a pas gagné droit pas faire namaz. Il n'a aucune solution, ça. Tant qu'il nous a la vie, tant qu'il nous respire, tant qu'il nous a l'esprit, nous obligé faire namaz. Même si un djimoun est paralysé complètement, mais c'est même sur l'esprit la même, il est obligé faire namaz. Même dans le djihad, quand un djimoun peut la guerre, l'ennemi peut attaquer, là aussi, c'est bizarre, mais toujours faire namaz. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Farijalan aw rukbana » Même en marchant, même l'eau, une monture, quand il fait namaz là-haut. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous toute option pour qu'il demain ne pas venir à plan. Non, mon pas tient à Roussel, ou bien mon pas tient fatigué, ou bien pas tient à Delo. Non, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous bonne solution. Voilà, solution Teyamoum. Demain, inshallah, nous cause l'eau Roussel, inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.